On va faire un duel de radeau DIY. Regardez, il y a tout le matos qui est ici. Je suis asthmatique. Hey, vous êtes fini. C'est là que tout se joue. Je vais tellement me casser. Tu peux pas faire une vidéo de puzzle? Flammy et Drac! Je vais m'évanouir et je vous assure qu'il n'y a plus rien qui va bien se passer. Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans ce cadre absolument incroyable. En on est en Espagne, les gars! On est à Malaga, on s'est pris quelques petits jours pour taper, pour faire des vidéos YouTube. D'ailleurs, il y a le petit room tour de la villa sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va faire quelque chose, on va profiter du beau temps, parce qu'il fait quoi? C'est beau, il fait 30 degrés. On va profiter du coup de ce jardin et surtout de cette piscine, mesdames et messieurs. Oh, regardez, elle est d'un bleu. Elle est ok, pour combien tu sors tout de suite dans la piscine? Autre combien? 6. 1, 2, 3, 5. Non! Vous l'avez dans la vidéo! C'est parti! Je vais regretter de l'avoir fait. Je prends 4 buts, on est d'accord? Ouais, c'est bon. 3-1! Oh non! Du coup, j'ai même pas expliqué le concept. On va faire un duel de radeau DIY. En gros, on va devoir aller d'un point A à un point B de la piscine, donc toute la longueur, mais on va devoir créer un radeau avec nos moyens. On peut utiliser n'importe quoi, des frites de plage, des bouées, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, on peut pas acheter de pagaie, mais on peut la créer. Voilà, ok, tout confectionner. Exactement, on n'a pas le droit d'être assis ou allongé, il faut être debout, et on doit utiliser 3 choses minimum, 3 objets, 3 bouées, peu importe, 3 trucs minimum. On va avoir chacun par groupe, du coup, Dooms et moi, premier groupe. Ah, donc là, t'as fait les équipes en deux mois. Frites et Antoine, deuxième groupe. On aura à peu près 10-15 minutes chacun de notre côté pour checker un petit peu, brainstorm. Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on a 30 minutes pour aller acheter ce qu'on veut. Et ensuite, on aura 30 minutes encore une fois pour créer le radeau. Est-ce que ça vous convient? Ouais! C'est magnifique. Et ça part tout de suite sur un duel de radeau DIY. C'est parti! Est-ce que t'as des idées? Moi, en vrai, j'avais plusieurs idées. J'avais soit on prend genre plusieurs bouées, on les lie avec une corde et genre ça fait une espèce de radeau et on fait une pagaie et genre on essaye de, tu vois, parce que oui, j'ai pas dit, mais du coup il y aura que un de nous deux qui pourra faire la traversée. Et évidemment, le plus stratégique, c'est moi. Et de par ma taille et mon petit poids, c'est mieux que ce soit elle sera plus légère, donc elle coulera potentiellement moins. Limite, j'ai plus envie de faire un truc super drôle, quitte à tomber, tu vois, qu'un truc vraiment trop sérieux, arrête, tu vois. On va pas s'entendre là. Moi, je veux pas qu'on monte dessus et qu'on tombe direct. Non, mais on va essayer de faire les deux, tu vois, genre allier le fun à la stabilité. Vas-y, ça va être le côté fun, moi, ça va être le côté j'ai envie de gagner. Une bouée, une bouée, une bouée, une bouée, et on les attache entre elles, et ça fait une espèce de radeau, et après, hop, une pagaie fait maison. Ah, pas bête. Ça peut être pas mal, ouais. Et autour, des frites pour faire des flotteurs. Tu veux mettre des flotteurs sur des trucs qui flottent déjà? T'inquiète, c'est pour la stabilité. En vrai, moi, je pensais peut-être un système. On va les défoncer, mais. Genre en mode à deux côtés, t'as deux crocos gonflables. Tu prends un croco à gauche, un croco à droite, et genre au milieu on met une sorte de gros bloc pour que ce soit un minimum stable, tu vois. Moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense que t'en écoutez, penses, ouais, on va partir dessus et si on a une idée fulgurante qui nous arrive sur place, on voilà, va sur place, on va des trucs, voilà. On modifie. On va faire un truc doux. Mec, on va être intéressé. Ça va être trop stylé. On va gagner, on va aller défoncer. Madame, on va gagner. On continue. Ta vie est crème là. Ah, oui, j'ai de la crème. Ah, tu me dégoûtes là. Allez, la bitch. C'est parti, les vainqueurs s'en vont. On vient donc de se faire dropper de la voiture par Mélissa. Les deux équipes sont prêtes. Il y en a une qui va partir à gauche, une qui va partir à droite. Vous avez 30 minutes à partir du moment où on part. Et après, c'est à qui aura la meilleure idée, quoi. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, on y va. Let's go, allez, on y va. 12. Oui. On a notre petite idée de bouée, là, de radeau bouée. Le plus important, c'est d'y croire, c'est l'espoir, tu vois. Non, on va se baigner à la mer. Ouais. C'est quoi, viens, on arrête le tournage. Ouais, on arrête le tournage. C'est bon, on se bat. En fait, il nous faut des bouées pour enfants. Ah ouais. Là, il y a un filet au milieu. Oh mec, t'es mal, tout ce qu'il y a. Ah ouais. Ah ouais, on est tombé sur un truc de ouf. Meuf, il n'y a pas les frites, c'est les frites en mousse, là. Catastrophe. C'est une cata, c'est une cata. Nous qui pensions avoir l'avantage, pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Oh, il y a ça. Un dans chaque pied aussi, sinon. Un dans chaque pied. Hein, mais ouais, un dans chaque pied. Eh, en vrai, ça c'est stylé, hein. Mais mec, c'est trop mec, c'est ça. On devrait juste trouver un moyen de bien les attacher, quoi. Tu mets ton pied là. Mec, c'est incroyable. Et avec une grosse ficelle, tu vois. Essayer d'attacher ça sur nos jambes, quoi. Ah ouais, de ouf. On en prend un comme ça et un comme ça. Mec, mec, ils vont trop bien ensemble. Mais il est même plus petit, celui-là, un petit peu plus petit. Je crois, regarde, ils ont pas la même taille. Mais en fait, il faudrait deux de cette taille-là. Deux comme ça. Et on rajoute à ça une frite de chaque côté, on les scotche. Ah ouais. Ça fait des réacteurs, genre. J'avoue que ça peut être sympa. Parce qu'en vrai, je pense pas qu'ils aient pensé mais à faire directement un truc sur nous, tu vois. Ouais, sur nous. Genre... Et ça peut être casse-gueule en même temps. C'est un peu casse-gueule. Mais on aime le goût du risque, tu grave. Vois. Au pire, on va dans leur boutique, il y avait des frites. On les rejoint là-bas. Ouais.
On fait quoi? On en prend 4 comme ça ou pas? Parce que du coup, ça ferait 2, 2, 2, 2. Et on va chercher les frites d'ailleurs. Et on va chercher les frites d'ailleurs. Bah, let's go, je vois que ça. Et là, pour 76 euros, si je paye 77 balles et qu'on gagne pas, écoute-moi bien, je vris, je casse tout. Bon, on vient de sortir du magasin. Tu nous présentes un peu là ce qu'on a, ici là? Ouais, mais en fait, notre idée de base, c'est en gros, on prend deux flotteurs comme ça, qu'on va attacher à nos pieds. On a pris pas mal de frites de plusieurs couleurs et on va les fixer en fait sur les côtés. Et ensuite, on s'est dit, pour combler un peu les trous, parce qu'on n'a pas des pieds aussi larges que ça, tu vois, pour les connaître, on s'est dit qu'on allait mettre nos pieds et on allait combler le reste avec des balles en fait, comme ça. On arrive en territoire ennemi. On arrive en territoire ennemi. En fait, il n'y avait pas de frites comme on voulait. Du coup, on est allé voir dans leur boutique. Hein, on parle pas de frites. C'est pas drôle par contre. Ouais, le but, c'est quand même de rester debout. Ouais, t'imagines, genre, à peine on met nos pieds, on coule directement dans l'eau. Ouais, je te jure. Ce serait horrible. C'est horrible. C'est quand même. Ouais, tu t'es fait un pote, mec. En 3 secondes, il s'est passé trop de choses. Il relâche sa mère. Mais je crois que même lui n'a rien compris en fait. Regarde, on a ce qu'on voulait. J'ai les frites en mousse. Pourquoi c'est du jaune là? Prends du bleu, du rose. Il y a une pelle, on peut s'en servir comme pagaie. De ouf. Ah ouais, une pelle comme pagaie. T'es bien, ça fait trop. Bah, en vrai de vrai, même sans rien scotcher dessus, ça marche, hein. Oui, c'est une pagaie, frère. Moi, je pense que c'est une bonne idée. J'ai juste peur qu'on coule, quoi. Ce serait tellement chiant, ça. Moi, je me dis, est-ce qu'on rajouterait pas, par exemple, une comme ça, en dessous de ça, genre. En dessous. Ouais. Mec, c'est une idée de génie. Ok, vas-y, je vais acheter ça. Vas-y, cherche. Les gars, il fait au moins 33. Il fait tellement on a, chaud. Genre, juste grave chaud. C'est lourd. C'est lourd. Oh là là, cette galère! Ça fait littéralement 5 minutes que j'attends Antoine. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Ça tombe, il a des soucis, il est en train de s'embrouiller avec le vendeur, j'en sais rien. Mais c'est très long pour acheter deux petites planches de surf. Et les gars, en fait, vous venez espionner quoi. Pas du tout, frère. Ah si, vous venez en repérage en fait. Allez, dégagez, ouais! Cassez-vous là! Dooms et moi, on a eu une petite idée en plus. En fait, on a pris qu'une seule pelle. Mais le truc, c'est que elle est. Enfin, c'est trop petit en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une deuxième pelle, comme ça. On les scotche entre elles et j'avoue, on a vu un petit peu ce qu'ils ont acheté et en fait ça nous a fait un flash et on s'est dit peut-être que mettre une planche au milieu des quatre bouées, ça pourrait grave bien marcher en fait, ça pourrait apporter de la stabilité. Donc on va essayer de mettre une planche au milieu et on verra ce que ça va donner. On avait dit trois objets minimum, là je pense qu'on est bien. Je pense que là on est bien. On est bien mon gars. Bon, est-ce qu'on peut dire que les 30 minutes sont maintenant écoulées? Ah mec, là, on n'a plus le droit de rien acheter, c'est fini. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que Mélissa revienne nous chercher. On va à la villa et on passe au monde. Et c'est parti, quoi. Mec, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Ça va casser des trucs. Les gars, je fais quoi? Mec, je vous roule une pelle. Mec. Quoi? On s'appelle. C'était drôle. Prochaine scène. Pub. Prochain. Ouais, pub. Bon, on vient de retrouver Mélissa. Comment ça se passe à l'arrière? C'est qu'on est trop bien à l'arrière, mec. Non, vraiment, là, c'est excellent, quoi. Ça va ou quoi? Oh, on est bien, là. Est-ce que c'est pas le moment de mettre un pouce bleu? Si, mec. Large. On est d'accord, les gars, non? N'hésitez pas, je compte sur vous. C'est une vidéo vraiment cool. On est tous les quatre, on est en ville, on est en Espagne. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à tout ce que, abonnez-vous à la chaîne, tout ce que, et faites le package complet. Le bouton rouge, le bouton rouge pour s'abonner. Pour s'abonner, bien sûr. Et la cloche, bah c'est beaucoup de choses quand même, non? Oui, c'est vrai. On est de retour à la villa. Chacun a récupéré du coup ses achats. Vous vous êtes mis dans votre coin. Vous êtes dans votre petit coin juste ici. Nous, on va se caler juste là. Je suis très très curieux de voir ce que vous avez fait. Vraiment, je sais mais pas du tout. Moi, j'ai hâte de voir vous aussi parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais qu'est-ce qu'elle fait ta collègue? Je pense que j'ai tué un moustique, les gars, avec ça. Je suis trop fier de moi. Pardon. On a 30 minutes pour construire notre petit radeau DIY. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti maintenant. Alors, petite chose que j'ai pas précisé, mais chaque équipe a un rouleau de cordage et un rouleau de scotch. Oui, regardez, il y a tout le matos qui est ici. Bon, on va commencer. Oh, le zico le plus relou. Mais ouais, parce qu'eux ils partent avec un avantage, ils ont déjà leur bouée. J'avoue que nous gonfler. En fait, on doit la gonfler. Eux, elle est déjà gonflée, tu vois. C'est pas grave. Ouais, t'as déjà commencé, toi. Ça ressemble du coup à ça. C'est flagrant. Je pensais que c'était si grand. Allez, bah c'est parti pour gonfler un max. Je suis asthmatique. Ça va pas le faire. T'inquiète, mais ça va le faire. Continue.
J'ai envie de mourir là. Déjà, à mon avis, il faut mettre tout en place sans lui dessus. Enfin, ouais. Pour qu'on voit ce que ça va donner. En fait, regardez, on va mettre une planche sous une bouée. Et on en met deux en fait. Et oh là là, mais oh, ça, ça va devenir, mec. Mec, oh. J'ai hâte de voir le résultat. En vrai, là, c'est l'étape la plus difficile, mec. Hein. Ouais. Parce qu'il faut que ce soit stable. Ouais, faut que ce soit stable et que ça tienne. Eh, hey, vous êtes fini. Vous êtes mort. Bah ouais, on n'a pas de pompe. On doit gonfler, nous. Ouais, nous aussi, mec. Ouais, nous aussi, là, t'inquiète. Hein. On gonfle là. Là, on est en train de gonfler là. Oh, c'est dur. Oh là, c'est wow. J'ai plus de souffle. Mais frère, je vais finir par baver dessus. Moi, je roule ma meilleure pelle. J'ai jamais emballé une meuf comme j'emballe cette bouée. Tu me dis quand tu sens que t'inquiète. C'est bien fixé là. Ouais, parce que là, il faut d'abord les fixer en drain et ensuite les fixer à la bouée. Il a coupé ici. Ok, ah, premier scotch me. Ok, nickel. Par contre, ils ont pas la même taille. Ouais, qu'est-ce que les deux autres, ils sont la même taille, je crois. Ah ouais, ouais, les deux autres, ouais, ça va. Ça, je suis en train de donner ma meilleure bave là. Oh. Regarde si je fais un test juste comme ça. J'ai tellement peur que ça éclate. Vas-y, monte. Mais ouais, ça va le mec, faire. Mec, en vrai, les planches, on les aurait pas eues, j'aurais coulé direct. Ouais, c'est sûr. Mais là, ouais, sans les planches, mais là honnêtement, je vais pas couler, je crois. En fait, ça file mon fiac depuis tout à l'heure. Eh, que dégonfle pas, hein. C'est pas le moment des blagues. Ok. Là, je crois que... mec, j'ai la tête qui tourne, moi. Mais, fais une pause, moi, je fais une pause, là. En vrai, bon, regardez, j'ai déjà gonflé la partie inférieure. Tu sais que la partie extérieure aussi, t'as gonflé. Ouais. Mec, j'ai des holkers. Quoi? T'as mis un holker? Mais... Je te déteste. Pourquoi tes vidéos, elles sont toujours dures mentalement et psychiquement. Tu peux pas faire une vidéo de puzzle. Mais c'est nul les puzzles. Je déteste les puzzles. J'en ai marre, je souffre dans toutes ces vidéos. Parce que comme ça, c'est des leçons de vie, meuf. Tu vas dégonfler le truc. Flavie, elle craque. Flavie, elle craque. Ok, moi, je suis en train de tenter un truc, là, mec. Ça va le faire. Après, si tu veux, je te donne un coup de main pour tenir, s'il faut. Ah, en vrai, ça va le faire, hein. En plus, ça a de la gueule, hein. Mec, je te jure, ça a de la gueule. Je suis curieux de savoir ce qu'eux ils vont faire, mais eux, je pense qu'ils vont faire. Ouais, mec, je me demande vraiment ce qu'ils vont faire, eux. Mais j'ai vraiment trop peur qu'ils fassent comme nous, t'imagines. Tiens, en vrai de vrai, y'a pas 50 idées, hein. Non, c'est clair. Ok, une validée. Ah, il en reste encore une là. Bah ouais. Putain. Je vais commencer à ficeler. Ouais, commence à ficeler les deux premières. Ok, alors là, du coup, on va joindre les deux bouées ensemble avec le fil. Et du coup, il y en aura deux autres qui vont venir là. Et pareil, on va grave les scotcher, entre guillemets, avec ça, quoi. Tap, 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 regardez ça. On va faire le meilleur nœud. Des premiers bateaux de fée. Emma, le flot. Oh là là, vrai, des réacteurs. Il est incroyable. En attendant les deux autres bouées, je vais scotcher la pelle qui nous servira de pagaille. 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 Une, c'était trop petit, donc du coup, on va les emboîter comme une grosse... J'ai pris deux bouées là. Je vous jure, meuf, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. J'ai eu un holker, frère, sur ta vidéo, tellement j'ai cru que j'allais vomir. Je vais m'évanouir et je vous assure qu'il n'y a plus rien qui va bien se passer. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on vient de finir d'attacher les deux trucs. Sauf que, bah, en fait, on sait pas comment faire tenir son pied. C'est ça, en fait, il faut que j'arrive à faire des mouvements. Mais comme ouais, ça. Mec. Mais si, regarde, on prend les balles. Et vas-y, mets ton pied. Et sous le scotch, je le mets comme ça. Bah, viens, on tente. Vas-y, on tente. Mec, si les ballons nous sauvent. Si les ballons nous sauvent, franchement, merci les ballons. C'est improbable, tiens. En vrai, couche-toi en arrière. Couche-toi sur le sol. Et en vrai, je te les fixe au pied, tu vois. Mec, c'est tellement trop. Ok, nouveau test. Bah ouais, ça peut le faire. Il y a un début de quelque chose, hein. Ouais, non. Elle, il est calé ton pied, non? Ouais, ça va. Bon, bah, il est à l'envers, je crois. Ah là, mec, c'est un peu compliqué, là. Mais attends, mais mec, on est débiles. En vrai, 3, c'est suffisant. Donc là, tu vas me dire que j'ai gonflé un truc pour rien? Écoute, j'ai envie de chialer. Occulte cette partie. Je vais me mettre là, je vais pleurer, je vais pleurer. C'est moi. Je vais pleurer, attends, je vais pleurer. Comme ça. Là, j'ai une stabilité. Ouais. Là, j'ai de la stabilité. À 3, je trouve que ça bouge beaucoup plus de gueule qu'à 4. Je pense qu'en vrai, parce qu'en fait, c'est plus près. Mais est-ce qu'on est les boss? J'ai échoué, mais c'est la fatigue. Aucune complicité, non? Aucune complicité. En vrai, attends, assieds-toi par terre, t'inquiète. Assieds-toi par terre, j'ai une solution. Vas-y, assieds-toi. Mets les droits. Voilà, comme ça. Et là, le deuxième. Et là, je vais faire des tours de ficelle, mec. Attends. Merci, mec. En vrai, mec, regardez ça. Vas-y, essaye de marcher pour voir. Et oui, prends ça dans ta main. Prends ça dans ta main. Attends. Regarde, ça devrait t'aider. Mec, c'est génial. T'avances quoi? En vrai, moi, je dis, genre, c'est trop bien, notre idée, elle est juste géniale. Regarde mais ça. Ouais, ils ont, après, bon, ils sont à l'envers, mais c'est pas grave, c'est un détail, ça. On a acheté une certaine planche. Une planche avec une taille assez grande pour pouvoir connecter les trois bouées. Et le truc, c'est que en faisant leur radeau, ils ont pris notre planche. Et nous, on se tape une planche plus petite. Et du coup, ça nique tout. On est obligé de trouver une espèce d'astuce pour pouvoir corriger le truc. Donc, on a trouvé. Maintenant, il faut juste qu'on le fasse. Bon,
après être passé par toutes les émotions possibles. Ah, de ouf. La colère, la tristesse, le désespoir. En vrai, de vrai, ça paraît simple ce qu'on a fait, mais franchement, c'était si compliqué. Excusez-moi, vous me voyez même plus. On a dû coudre à travers les bouées, avec la ficelle et tout, enfin, un bordel. Dooms s'est mis en maillot de bain, elle est parée pour la mise à l'eau. Meuf, tu le sens comment? Ok, yes, nickel. Je sais pas jusqu'à où on va aller. Franchement, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas également ce qu'ils ont fait eux. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir les radeaux? C'est parti pour la mise à l'eau. On y est enfin. Je suis épuisé. Comme je mort. Suis épuisé. On a commencé à 16h. Et il est 20h, 4h. 4h qu'on tourne. On est enfin à l'étape de la révélation des radeaux. À 3, on se retourne. 1, 2, 3. Ah ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Vous avez fait un spinner géant en fait. On a fait un spinner géant de... Un spinner géant. À la base, ce qu'on voulait faire, c'est 4 bouées. Ok, donc 2 et 2. On voulait mettre des frites autour pour faire un carré. Et on voulait mettre une planche au milieu, tu vois. Ok. Sauf que c'est passé comme prévu. Les bouées n'étaient pas comme il fallait. Vous avez pris notre planche. Du coup, ça fait exprès. Du coup, au final, bah, on n'avait pas une planche assez grande. Donc on a fait un petit peu comme on pouvait. On a pris que 3 bouées au lieu de 4. Et on a fait une méga pagaie. Ouais. Bah, après, moi j'ai une question. Imaginons elle est dessus. Ouais. Comment elle pagaie? Ouais, t'inquiète gros, t'inquiète. Ouais. Parce que hey, gros, à gauche y'en a une. Ouais, c'est vrai. Passe pas de questions. Passe pas de questions. À votre tour. C'est quoi? Alors, ces chaussons? Nous, on s'est dit qu'on allait partir sur un double floater. On a utilisé 2 bouées pour gamine ici, juste là. Ensuite, on s'est dit, pour rajouter un petit peu de stabilité, on a rajouté 2 planches de surf. Putain. En dessous des bouées. En vrai, c'est stylé. Mais c'est pas tout. Et juste, pourquoi les ballons? Tiens, comprends pourquoi. Pour l'instant, je ne vois pas du tout pourquoi c'est des ballons. Je comprends pas l'intérêt. Regardez, ouais, tiens, c'est pour coincer les pieds. Non, attendez, t'es dans mauvais sens. Je cale mes panards dedans. Et là, mais. Et là, il est calé. Je vais montrer. Et là, il peut marcher. Là, je peux marcher. Ah, c'est des chaussons. En fait, c'est des chaussons géantes. Non, c'est des chaussons géants gonflables. Exactement. Ok, et nous, c'est un radeau et une spinner. Écoutez, on va commencer la traversée tout de suite. C'est parti. C'est là que tout se joue. J'ai trop peur. Ok, on y va. Alors, le met à l'eau. Vas-y. Déjà vous, il prend le tir de la piscine. Tu vas m'aider de ça? Sora, la dernière bouée, laisse-la. Ah ouais, peut-être. Mais vas-y, tranquille, vas-y, tranquille. Hein. Oh là là, la bosse, oh la bosse. Oh la bosse, 12, c'est une question d'équilibre. Tiens, 12, c'est maintenant. Mec, elle va réussir. On avait un problème de pagaie. Je t'avais dit qu'on allait avoir un problème de pagaie. Là, tu tournes là. Oh là 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 là. Parce qu'en fait, ça donne spinner, il fait que tourner. On savait que ça allait passer. Après, en tournant, tu peux peut-être y aller jusqu'au bout. Hein. Non, tombe pas. Si tu tombes, c'est là que ça s'arrête, meuf. Oh oui, t'as compris le truc. T'as compris le truc. Mais non, Dooms, t'es la bosse. Non. T'es la bosse. Vas-y, continue. Continue. Dooms, tombe. Oh là là. Sois pas déconcentré. Sois pas déconcentré. Elle se barre la bouée. Non, non, elle se barre pas. Si, elle se barre, elle se barre. Avance, avance. C'est que j'ai pas pris après là-bas. T'inquiète, je te sauve, frère, je te sauve. Oh là 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 là. Meuf, je suis fier de toi, je suis fier de nous. Je suis fier de notre équipe. Putain. Oh, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas rater. Tu vas aller jusqu'au bout. Non, allez. Allez, non, allez, allez, ah, c'est incroyable. Oh là 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 là, la bosse. Let's go. Je suis si fier de notre équipe. Et oh, je suis tellement content. Meuf, je suis tellement content. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de notre performance. Et surtout de la performance de Flavie. Surtout la performance de Dooms qui a été incroyable. Un équilibre irréprochable. Et la pagaie, en vrai, elle a su gérer le souci, tu vois. Elle a su gérer le truc. C'est parti. Autour de la deuxième équipe. Si je meurs, mettez un like. Et si tu survis, mec. Okay, parfait. Mettez un like aussi. Ah, ok, ça va. Attends, là. Ouh, mec. Attends, niveau poids, ça a l'air d'être bon. Mais je vais tellement me casser. Je vais faire un grand écart d'eau. Vous avez foiré votre côté stratège technique, là. Regarde, je le mets dans la lignée. Là, je te pousse, mec. Attends. Ça fonctionne. Regarde, c'est moi qui suis pas mal aux gens. Mais elle bouge pas. Attends, laisse-moi mon équilibre. Ok, mec, j'avance tout seul. Tu vas où, gros? Putain, en fait, c'est une épreuve de volontaire. Allez, mon gars. Allez. Mec, ça fonctionne. J'ai super mal. Il a pas coulé. J'arrive pas. Il tombe pas. Ouais. Mais c'est exceptionnel à l'arrivée. En fait, t'es obligé d'avoir un quelqu'un. Bah ouais. Ouais, j'ai mon gars. Bon, on l'a fait. Flavie, est-ce qu'on valide cette... Moi, j'ai quand même vu, et replay à l'appui,
quelqu'un pousser Frit vers cette direction. Hein. Est-ce que les, dans la règle, il y avait ne pas le droit de pousser? On leur valide, mais avec avertissement. Bah, on valide, mais c'est les abonnés dans les commentaires qui ont vraiment choisi. Écoutez, en vrai, on leur valide parce que quand même, c'était ingénieux, c'était beau. Et c'était trop drôle. C'était grave drôle. J'ai plus de jambes, mec. C'était trop bien. Merci beaucoup. On s'est tous donné. C'était trop bien. Et en vrai, au-delà des règles, au-delà de ce qui a gagné ou quoi, on s'en fout. C'est trop marrant, c'est surtout tout le monde a kiffé. Tout le monde s'est donné à fond. Et gros, Théma, la tête de la dinguerie. Et Théma, ce truc-là, c'est incroyable. Merci beaucoup, les gars, d'avoir participé. C'était trop bien. On s'est donné à ouf. À ouf. Ouais, j'arrive plus à parler. On s'est donné à ouf. J'ai dit. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais c'est le cas, le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, tout ce que vous voulez. Dans la description, il y a la chaîne de tout le monde, tout ce beau monde ici. Un maximum de cris pour cette fin de vidéo. Merci beaucoup. Gardez le sourire. Des gros bisous. À très vite. Salut. Ah, il a calé le nul. Ah, le mec devant nous, il a calé. Ah, le naze. Ah, t'es trop nul, t'as calé. Comme le Nord. Eux, ils calent pas là-bas. Nord, pas de Calais. Je suis traversé, moi.